Donc salut tout le monde, c'est Tank, et donc comme vous pouvez le voir, on commence une nouvelle série sur un nouveau jeu. Alors, cette série, comme vous pouvez le voir, s'appelle Mes Amours de Jeux Vidéo. Donc pourquoi je l'ai appelé comme ça? Tout simplement, en fait, j'allais vous faire découvrir ma passion des jeux vidéo et mes premiers jeux vidéo que j'ai pu faire. Voilà, donc c'est pour ça, et je commence par le... tant connu Zelda A Link to the Past sur Super NES, sorti il y a un moment, à savoir le premier jeu que j'ai fini. Donc je vais commencer à lire les titres, enfin tout ce qu'ils disent, et après je vais continuer certains, par contre je vous laisserai les lire. À l'aide! À l'aide! Je suis prisonnière dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Le sorcier Aghanim a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Aghanim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des sept sages. Je suis dans le donjon du château. Aidez-moi. Je pars faire un petit tour. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison. Ne t'inquiète pas. Donc voilà, comme je disais, un jeu... plutôt connu, je pense que tout le monde le connaît, et le premier jeu que j'ai fini, malgré ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors désolé pour les sons de Steam, c'est Psycho qui me parle, pour ceux qui me suivent, hein. Il va aussi apparaître sur cette vidéo, enfin je sais pas trop dans quel ordre vous allez voir les vidéos, pour ceux qui me suivent, mais voilà, on discute pas mal avec Psycho. Donc revenons à Zelda, donc A Link to the Past, un jeu que j'ai fini il y a 6-7 ans, je crois, à peu près. Pour la première fois, et je l'ai fini donc sur Super NES, deux fois. Et je l'ai fini une troisième fois sur, donc pas émulateur, comparé à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais je l'ai fini sur PSP. Donc ce qu'il nous dit, c'est notre oncle, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il nous dit qu'il voulait pas qu'on vienne ici et qu'on est le seul à pouvoir aller sauver Zelda. Et donc il est mort, donc on récupère son épée et il nous dit qu'on peut faire l'attaque tornade. Voilà, je vous la montre, bah, super. Donc oui, donc je reviens à Zelda. Donc oui, un jeu que j'ai fini il y a 3-4 ans. Enfin 6 ans, je disais, ouais, 6 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je l'ai pas fini étant jeune. Étant jeune, j'ai été pas mal bloqué, j'arrivais pas à trouver les solutions, hein, donc j'ai abandonné. Et j'ai appris plus tard, et c'est vrai que je l'ai fini 3 fois maintenant, et je vous fais découvrir donc ce jeu, à savoir que mes 3 ça sera sur plusieurs saisons. Donc je vais même pas vous cacher les saisons, contrairement à ce que j'avais pu faire. Alors oui, je m'explique, c'est la troisième fois que je tourne l'épisode. La première fois, il s'est passé que je l'ai enregistré le fichier et j'avais pas de son. La deuxième fois, le micro était pas terrible. Et normalement, là, ça devrait être bon. Donc oui, ce que je disais, ça se tourner sur trois saisons, enfin plusieurs saisons. Les trois premières saisons, je sais sur quel jeu je vais le faire. Donc le premier, c'est sur Zelda A Link to the Past. Sur Super NES. Le deuxième sera sur Mario Bros. Enfin, Super Mario Bros 3 sur Super NES. Alors pourquoi le 3 parce que j'ai fini les autres aussi, mais je préfère jouer au 3. Je vous expliquerai dans la deuxième saison, hein, une fois que celui-là sera fini. Et la troisième saison sera sur Mario Kart sur Super NES toujours. C'est l'un des premiers Mario Kart et enfin en espérant qu'il marche bien. Ça m'avait bien plu de jouer à Mario Kart. Donc voilà pour les trois premières saisons. Les autres saisons, je verrai après si je change de console ou non, mais je reste changé de console. Je vais vous expliquer encore pourquoi. Faut savoir que sur Super NES, j'ai pas eu beaucoup de jeux. Et les seuls que j'ai finis sont Mario, Zelda et Mario Kart. J'ai aussi fini Street Fighter 2, mais bon voilà, c'est pas
un jeu super super. Donc pendant que j'y suis, chaque saison je tournerai les saisons sous forme de let's play. J'ai quand même essayé de vous finir les jeux. Pas forcément en 100%, hein. Déjà celui-là je le finirai pas en 100%, c'est sûr. Car j'ai pas récupéré tous les quarts de cœur. Il y en a que je n'arrive pas. Et je crois que j'ai à peu près tout dit pour cet épisode. Enfin pour cette série. Je tiens à remercier Yoko Zephyroth, qui a donc déjà fait un let's play sur ce Zelda, mais en fait qui m'a aidé pour quel logiciel prendre. Car je vous rappelle quel logiciel prendre pour tourner des vidéos. Je vous rappelle qu'à la base je tourne avec Fraps. Donc là je parle pas beaucoup de Zelda, hein. Enfin, du jeu, donc je tourne avec Fraps, mais pour tourner avec un émulateur, j'ai pris Camstasia. Voilà, je vous laisserai chercher, hein, je vais pas vous donner plein de téléchargements et tout, ou quelque chose de ce genre. Voilà pour ceci. Est-ce que je vais réussir à le tuer? Ouais. Aussi un truc. Donc là, je vais faire un petit peu comme Yoko d'ailleurs. Je ne vous mettrai pas à disposition la ROM à télécharger, ni l'émulateur. Je vous conseille pour ça d'aller sur le site de ROM Station. ROM Station, hein, en français. Où vous pourrez avoir donc un petit logiciel que eux-mêmes le fournissent, gratuit, où vous pouvez télécharger tout type d'émulateur sur tout type de console. Enfin, pour tout type de console. Avec pas mal de jeux, même extrêmement beaucoup de jeux. Donc, tout vous récupérez la clé, là, sur le gros. Hein, j'essaie quand même de suivre, parce que j'ai tout dit le reste. Donc, la clé qui était là, c'est la clé des boss, et on va libérer, donc, Zelda. Voilà, elle nous dit que... Donc, on va aller... Elle nous dit qu'Aghanim, donc le sorcier Aghanim, a pris son père, et que nous allons fuir par une allée secrète. Ouais, donc je suis désolé si vous n'avez pas eu le temps de lire. Je sais que moi je connais les sous-titres, enfin ce que disent les personnages. Et là, faut savoir que j'ai fini le jeu donc 3 fois et que c'est la 3ème fois que je tourne cet épisode. Donc oui, je connais un petit peu ce qu'ils ont à dire. Je prends de l'avance. Sinon, je crois que j'ai à peu près tout dit en fait sur Zelda là. À force de tourner, en fait, je sais plus ce que j'ai à dire, ce que je n'ai plus à dire. Si niveau donc jeu, enfin au niveau de la série, donc j'ai dit sur plusieurs saisons, les 3 premières saisons sont des let's play entiers. Les autres après, je sais pas encore. Faut savoir qu'il y a des jeux que je voudrais bien vous montrer, mais que je n'ai pas fini et que je ne pense pas finir. Donc là, je vais venir sur 64. Il s'agit donc de Mario 64, de Zelda Ocarina of Time, que je n'ai jamais fini. Enfin, pas fini à 100%. Voilà, donc ceux-là, je pense que peut-être que je vous montrerai les débuts. Il est possible d'ailleurs que je fasse une saison sur des débuts de jeu. Donc je vous montrerai ouais, les premières heures peut-être. Ce sera pareil sous forme de série, enfin toujours de saison mais avec moins d'épisodes. Parce que là je pense qu'on va partir sur pour Zelda ouais, une bonne vingtaine d'épisodes à mon avis. Déjà rien que pour aller au premier donjon, on part sur un premier épisode avec environ une demi-heure. Donc là celui-là va durer à peu près une demi-heure. Donc, je vous rappelle aussi, enfin, je vous rappelle, vous avez pu voir qu'au début, je me suis appelé Link et non Tank. Alors, il y a une seule raison pour ça, c'est qu'en fait, à chaque fois que je joue à Zelda, j'ai beau avoir un pseudo, je mettrai toujours Link. Voilà, c'est une chose que je me donne. Voilà, c'est que j'essaye de toujours m'appeler du même nom du personnage. C'est comme ça, c'est juste... une envie de joueur. Garder une espèce
de normalisme au jeu. Je me comprends en disant ça, je suis pas très clair, mais je me comprends à peu près. Donc là, nous sommes dans les égouts du château pour rejoindre le sanctuaire, pour ceux qui n'auraient pas lu. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Nous sommes toujours accompagnés de Zelda, et non Peach, comme j'ai pu le dire dans un moment que j'ai tourné. Oui, donc elle arrête pas de nous parler, enfin elle nous parle souvent, elle est totalement en plus inutile, hein. Des fois elle nous dit qu'il faut aller, faut sortir pour entrer dans le sanctuaire. Elle se répète un peu. Alors, vu que c'est la première fois que je tourne avec Camtasia, enfin, que je tourne et que je vais uploader sur YouTube, je vais vous demander de me dire si, niveau visibilité, son, c'est aussi bien que les autres vidéos que j'ai pu faire avec Fraps. De toute façon, je repasserai pas avec Fraps, c'est juste que j'essaierai d'améliorer ce système. Alors pourquoi je repasserai pas avec Fraps? Tout simplement parce qu'en fait, Fraps ne permet pas de d'enregistrer avec les émulateurs. Généreux, dis donc, pour une fois. Donc ici, nous reviendrons plus tard. Vous allez voir qu'il y a des trous, donc on y reviendra beaucoup plus tard. Pas beaucoup, non. Alors j'espère que vous avez quand même bien les musiques, parce que les musiques, elles sont juste super double shot. Alors là, je m'attarde un petit peu sur les souris à tuer. Car certaines, tout simplement, en fait, donnent des rubis, donc c'est assez pratique. Donc pour ceux qui connaissent bien Zelda, enfin la série Zelda, vous pouvez voir que dans celui-là, nous commençons directement avec une bourse de 999 rubis. Habituellement, on commence avec une bourse de 99 rubis, et après, il faut en chercher plusieurs pour en avoir plus un. Donc là, nous arrivons au sanctuaire, un endroit où j'ai pas traîné. Donc là, on a le maître du sanctuaire qui est content qu'on lui rapporte Zelda. Nanana, nanana, voilà. Alors, je vais vous laisser un petit peu pour que vous puissiez lire. L'habitude, en fait, de passer toujours les textes. J'aime pas trop lire. Je les ai lus une fois, je sais pas ce qu'il y a à faire, donc voilà. Alors, ce qui est un peu embêtant dans ce Zelda, c'est qu'à chaque fois, ils nous demandent si on a bien compris ce qu'ils ont dit. Non, non, on n'a pas compris, donc tu pourrais tout répéter. Oui, donc comme je disais, je quitte très vite le sanctuaire et j'irai très rarement. Tout simplement, en fait, j'aime pas du tout cette musique, elle est... Je la trouve glauque. C'est bête, hein, ce que je dis, hein, les sanctuaires. Alors bien sûr, je peux les éviter, hein, tout autant que j'ai envie, mais... Certains, je vais les buter, les ennemis, d'autres, je peux pas les buter. Hein. Vous voyez qu'on est plus rapide que les gardes, donc ça ne sert à rien de les attaquer. Donc, oui. Voilà, j'étais au sanctuaire, donc... Attendez, je repasse. J'étais au sanctuaire ici, la maison en bleu. Truc bizarre, la bleue, là. Au centre de l'écran. Et le monsieur m'a dit que je devais aller voir l'ancien qui se trouve dans le village. Donc nous allons dans le village, dans la première maison. Et écoutez la musique. Musique super calme. Alors le panneau, je vais juste vous le lire, vous pouvez voir, voilà. On est recherché, on a un soi-disant criminel qui avons enlevé Zelda. Donc on va parler à la grand-mère, nanana, donc je vous laisse lire. Pour ceux qui ne lisent pas, comme d'habitude, je vous fais un petit résumé à la fin. Enfin je vais même le commencer à le faire. On lui parle, elle nous dit qu'elle ne sait pas où est rendu l'ancien. Que pour savoir, il faut... qu'on parle aux gens dans le village, et elle nous parle aussi de la légende de l'épée légendaire, Excalibur. Donc voilà. Je vais descendre maintenant, donc là nous arrivons dans une nouvelle maison.
Lui, je vais pas lui parler, parce qu'en fait, tout simplement, il nous dit que cette maison, en fait, est un ancien repère des bandits. Donc, qui dit repère, dit trésor. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire à chaque fois avec le premier coup. Donc là. À chaque fois, j'y arrive maintenant. Alors c'est vrai que des fois je vais peut-être me voir galérer à bouger mon personnage. Faut savoir donc vu que je joue sur émulateur, je joue avec une manette qui n'est pas par contre une manette Super NES. Je joue avec une manette type PS3. Enfin PS3, PS2, enfin PlayStation. Et je joue pas avec les touches de direction mais avec le joystick analogique. Donc je vais récupérer l'objet cheaté de tous les Zelda. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, je vous conseille d'aller voir les chroniques de Readmeup. Readmeup et Cœur de Vandal sur jeuxvideo.com. Et vous comprendrez très 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 bien pourquoi en allant voir donc leur épisode, enfin leur speed game sur Zelda Ocarina of Time. Je vous laisse aller voir, hein, je vous ferai pas de lien, elle je lui parle pas. Sinon, en fait, elle alerte les gardes, donc on ne faut pas lui parler, vu que je vous rappelle qu'on est recherché. Alors, oui, je disais, je vais pas finir le Zelda entier, mais je vais essayer quand même de vous faire découvrir. Je vais vous montrer où se trouve tout ce qu'il y a à récupérer. Même les cartes de cœur, je pense que je vais vous dire où ils sont. Faut savoir que si je suis bloqué, ça peut m'arriver surtout un peu plus loin, je me permettrai de regarder la soluce de jeuxvideo.com. Vous allez me dire, oh il triche, je ne triche pas, je regarde la soluce pour savoir, je vais juste vous dire comment j'utilise la soluce sur jeuxvideo.com. Vous pouvez aller voir, il n'y a aucun problème. Elle est faite en fait, d'une certaine façon, donc on a une soluce complète de toute la quête principale, dans laquelle il y a certains mots qui sont mis en gras. C'est donc soit récupérer des objets, des fragments, enfin des cartes de cœur, ou c'est assez souvent ça. Et en fait, la seule chose que j'utilise, c'est ces mots en gras. Le reste, je ne le lis même pas. Faut savoir que Zelda, c'est... Enfin, surtout celui-là, il est... assez linéaire et moi je trouve assez bien expliqué. Oh, je me suis fail dessus. C'est un peu de souris. Voilà. Oui, donc je disais, il est assez linéaire et assez facile à faire hein, quand même. Donc vous pouvez voir qu'on vient de récupérer des flèches, mais qu'on a toujours pas d'arc. Donc on le récupérera plus tard. Alors je vous rappelle aussi que je dois continuer à donc papoter avec les gens du village. Et lui, voilà, nous dit où se trouve l'ancien et il nous l'a indiqué sur le plan. Donc totalement à l'opposé. C'est super, il est super gentil. Donc je vais continuer à faire le tour là-dedans, donc là j'en ai pas besoin. Donc c'est un petit marchand, comme vous pouvez voir, il nous vend des cœurs, des bombes, une soupe. Donc lui on lui parlera plus tard, elle... A nous dit que malgré la rumeur comme quoi on aurait enlevé la princesse, elle a toujours confiance en nous. Toujours avoir une poule. J'ai toujours une poule qui se fait toucher quand je mets la bombe ici. Donc j'essaie de récupérer voilà, tous les petits trésors qu'il peut y avoir dans le village. De toute façon on y reviendra plus tard. Ah oui, la chose à pas faire dans tous les Zelda, faut pas trop taper les poules. Je pourrais peut-être vous le montrer dans un épisode bonus. Je verrai. Peut-être à la fin, ouais. À la fin de la série, j'essaierai de le rappeler, Je vais faire un petit épisode bonus de tout ce qu'il faut pas faire dans les Zelda. Et donc là, voilà, j'en profite de... Je m'arrête ici volontairement. Regardez le tableau. Vous pouvez voir qu'on voit Mario. Donc oui, c'est Mario. C'est un petit clin d'œil. Nintendo, donc on rappelle que les deux héros principaux de Nintendo, c'est Zelda et Mario.
Et donc, dans Zelda, alors c'est pas le seul. Alors, dans ce Zelda, voilà, on a un tableau de Mario dans cette maison. Et dans Ocarina of Time, on voit plusieurs personnages de Mario. Donc, c'est vrai que dans Zelda, on a des petits clins d'œil à d'autres jeux Nintendo. Surtout Mario. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, j'ai récupéré plein de choses. Et pour ceux qui connaissent pas trop ou qui savent pas trop où se trouve, moi j'ai vraiment l'habitude et je vous conseille de faire ça dès le début. De bien visiter le village pour le moment. Et vous verrez qu'il y a plein de choses à récupérer. Sauf pas s'inquiéter, on y retourne plus tard dans le village. Donc lui, on lui parle, on lui dit qu'il est désolé par son gazon, qu'il est un peu trop long parce qu'il n'a pas trop de temps. Et qui nous parle d'un lac où nage Zora, donc c'est ce que je vous dis, il y a un lac où nage Zora à la source de la rivière, mais il est difficile à trouver. Le trésor de Zora peut transformer les gens en poissons. Donc voilà, c'est une petite indication comme quoi on pourrait nager. Je vous rappelle que Link à la base ne sait pas nager. Donc je continue ici, on va parler à lui. Lui, il nous parle d'une flûte avec un oiseau, enfin d'une flûte du moins, peut-être un peu spoil d'ailleurs. Donc vous verrez, ça on l'a beaucoup, enfin on l'a bien après. Voilà, donc là, le coffre est ouvert. Niveau ressources, attendez, je regarde. J'ai tout pris pour le moment, dans cet épisode, ce qui est heureux, j'ai tout pris. Donc je vous rappelle qu'on est parti avec la torche, enfin la lampe, la lanterne. Qu'on a récupéré le boomerang dans le donjon, qu'après on a allé récupérer un premier flacon, on en a un deuxième, donc on peut en avoir quatre, qu'on a récupéré les bombes et le filet à papillon. Donc vous verrez que filet à papillon avec flacon, c'est très utile. Elle, pareil, ne pas lui parler. Oh non! Donc faut même pas qu'elle nous voit. Ah, puis en plus, elle a fermé chez elle. Voilà pourquoi, c'est que sinon, en fait, elle appelle les gardes. Voilà. Ah, bah, elle a refermé chez elle. Méchante. Donc, c'est pareil pour l'autre vieille dame, l'autre bout, sauf que l'autre, en fait, faut lui parler. Alors, oui, je reviens ici, dans la maison des bandits. Je vous rappelle que il y a un mur à péter. Je rappelle que lui, encore une fois, je lui parle pas, ça sert à rien. Hop, je pète le mur. Et je vais récupérer ce qu'il y a dans ces vases et dans le coffre. Donc voilà, voilà. Là j'ai vraiment récupéré tout ce qu'il y avait récupéré ici. Donc déjà, dès le début, on a, donc je vous rappelle, les bombes, le boomerang, la lanterne, le filet à papillon, deux flacons et deux quarts de cœur. Donc on a un demi-cœur. Donc pour avoir des cœurs supplémentaires, il suffit de battre les boss. Comme vous avez pu le voir, là, de libérer Zelda ou de récolter donc quatre quarts de cœur. Donc maintenant que tout est fait ici, voilà, j'ai tout. Ben je vais aller donc voilà, là-bas en traversant tout en bas. Alors je vais pas le faire par en haut, mais en fait, dans le bas du village, il y a aussi des maisons et il y a un autre mur à exploser, donc c'est pour ça que je le fais par là-bas. Sinon, il y a un autre moyen hein, pour le faire, il suffit de faire Select, sauvegarder et quitter, et de rapade directement dans notre maison. Voilà, donc en fait, on va faire ça comme chemin, hop, remonter là, et si on apparaît directement à la maison, on est là, la petite maison qui est au milieu, donc on n'a plus que ça à faire. Mais bon, c'est de la triche, et puis en vidéo, j'ai pas tellement envie de le faire non plus. Donc là, nous avons la bibliothèque. Nous allons y revenir plus tard, je vais vous montrer pourquoi. Je vous fais découvrir en même temps. Hein. Voilà, on a un livre, là, le livre vert, que pour le moment, on peut pas le prendre, même en passant de l'autre côté. Je vous montrerai après, plus tard, on aura des petites choses à faire. Donc on descend... Hop, on va donc ici, la maison des frères jumeaux. Donc lui, on lui parle une première fois. Il lui dit qu'il vient de se disputer avec son frère, qu'il a fermé l'accès à la chambre. Donc nous,
On s'en fout, on casse tout. On veut quand même traverser. Et là, il nous dit quoi, t'as défoncé la porte, il va falloir que la changer. Et donc, il dit qu'il va essayer de se réconcilier avec son frère. Et voilà, son frère est ici. Et il demande si son frère est toujours fâché. Moi, je lui dis, t'as qu'à aller le voir. Voilà. Donc, ici se trouve la petite dame rose. Voilà. Donc, si on atteint l'autre bout, donc là, je vais pas vous le montrer parce que j'y arrive. Enfin, je vais vous montrer où on doit aller. Je sais très bien que je passerai pas en 15 secondes. Parce que pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, il faut qu'on aille jusqu'à l'autre bout. Donc, jusqu'à lui pour avoir un. Fragment, enfin un quart de cœur, et là on a mis 23 secondes. Voilà, donc on peut pas avoir le quart de cœur. Donc il faut qu'on fasse ça en 15 secondes pour avoir le quart de cœur. Alors c'est faisable, mais c'est celui-là justement que je n'arrive quasiment pas à faire. Je crois que c'est en 14, enfin en 13 ou 14 secondes on peut le faire. Mais... Ah oui, lui j'avais l'oublié. Donc pour 20 rubis, on a le droit d'ouvrir un coffre. Si je me trompe pas, le coffre du milieu, on a 50. Oh, il n'y en a qu'un. Bon, voilà. Je me suis trompé. A chaque fois, et toutefois, c'est juste 50. Je suis dégoûté. Donc là, nous allons aller chercher l'ancien. J'essaie de les éviter au maximum. Ça sert à rien. De toute façon, on va les taper. Donc lui il y a un arc, on peut pas lui voler, pas comme dans Minecraft, hein, comme pour les squelettes archers. Aïe. Alors oui, je prends des dégâts, parce que... De toute façon, ça sert pas à grand chose, ouais, vous voyez, je les course largement, ouais, donc... ils me rattraperont pas. Je parle pas beaucoup par moment, c'est juste pour faire écouter la musique. Hop. Donc nous allons aller chercher l'ancien qui se trouve. Méchant top. Ici. Hop, alors. Avant de le laisser parler, je vais d'abord faire hop ceci. Donc là, j'ai récupéré les bombes. Là, hop, hop. Je récupère les rubis. Et je vais lui parler. Et donc là, je vais vous lire. Je suis bien Sarah, donc il a vraiment un nom à la con. L'ancien du village, l'un des descendants de cette sage. Je suis surpris, Link, qu'un jeune homme comme toi puisse chercher l'épée du diable. Il n'est pas donné à tout le monde d'utiliser cette arme. La légende transmise par les Iliens dit que seul le héros qui aura gagné les trois pendentifs pourra manier cette épée. Tu veux vraiment la trouver? Bien sûr! Bien, à titre de test, peux-tu récupérer le pendentif du courage du palais de l'Est? Si tu me le rapportes, je t'en dirai plus sur la légende et je te donnerai un objet magique. Allez, va au palais. Donc voilà, il nous informe que l'épée qu'on cherche en Excalibur est l'épée du diable. Et qu'on doit aller récupérer donc le pendentif vert. Et donc nous avons deux autres pendentifs à récupérer. Enfin, nous a aussi donné l'accès. Enfin, le lieu des deux autres pendentifs. Donc du désert en bleu et de la montagne en rouge. Et la localisation d'Excalibur. Donc là, nous allons aller à l'entrée du palais. Alors, il faut savoir que là, les statues sont vivantes. Et là, comme à chaque fois, ça fait trop fois que je tourne l'épisode, trois fois que je sais qu'il faut pas que je monte ici, ça sert à rien. Ouais, je les rémobilise, ça sert à rien de ce cas. Mais non, mais... Ah non, ils viennent pas en fait, je peux passer à travers. Oh, je savais même pas. Coucou. Ici, si je me trompe pas, oui, voilà. Hop.
Allez. Coucou. Aïe. Allez, je suis pas méchant, je vous montre juste sur l'entrée, mais on fera donc le donjon dans le prochain épisode. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance. Donc sol bleu, les statues, ce sera que les statues comme ça, en bronze. Et donc les murs en verre. Le donjon du désert. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir regardé pour ce premier épisode. J'espère que cette série va vous plaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. Salut tout le monde.